ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Nous sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à sourate At-Takwir. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ida al-shamsu kuwirat, wa ida al-nujum kadarat, wa ida al-jibalu suyirat, wa ida al-isharu uttilat, wa ida al-wuhushu hushirat, wa ida al-biharu sujirat, wa ida al-nufusu zuwijat, wa ida al-maw'udatu su'ilat, bi ayyi dhanbin qutilat, ila akhiri al-ayat. Sourate At-Takwir, c'est parmi les premières sourates qui ont été révélées, c'est la septième dans l'ordre de révélation. Quand le soleil, Kouwirat. Kouwirat, il y a eu au moins 10 paroles différentes chez les ulama pour dire qu'est-ce que ça veut dire Kouwirat. Wallahu a'lam, tous se réunissent sur un sens commun, c'est que le soleil va disparaître. Comment va-t-il disparaître? Les savants ont divergé. At-Takwir, c'est comme quand on met l'imam, le turban. C'est-à-dire tu fais tourner l'imam autour de ta tête. Chaque pan vient se mettre sur l'autre pan. C'est-à-dire, il sera réuni, plié. Donc, quand le soleil sera réuni, plié, obscurci. Et ça, il est venu dans le hadith sahih, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le soleil et la lune seront comme deux taureaux obscurcis et regroupés et pliés en enfer. Et effectivement, ça, Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a dit dans le sens, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, vous serez réunis en enfer. Pour justement humilier tous ces gens qui adoraient le soleil et la lune et les choses et les statues. Comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dit, où Allah dit, ô vous qui avez cru, sauvez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles sont les hommes et les pierres. Ils disent les pierres qu'ils adorent, l'asnam, les statues. Donc toute chose qui est adorée en dehors d'Allah sera en enfer avec ceux qui l'ont adorée. Sauf les hommes pieux qui ont été pris en adoration en dehors d'Allah. Ils n'ont pas agréé cette adoration. Et Allah leur a promis la réussite. Et il ne convient pas de les appeler tarout. Car un tarout, on a dit, c'est ceux qui ont adoré en dehors d'Allah. Et alors qu'il est satisfait, qu'il agrée cela. Donc le soleil et la lune, ils seront ce jour-là obscurcis. Et en fait, certains savants, comme Cheikh Atiyya Salim dans At-Tatimma d'Adwa al-Bayan, dit que la parole la plus juste, c'est quand le soleil va se lever de son coucher. Et vous savez que c'est la fin des temps, un des signes de la fin des temps. Donc qu'est-ce qui va se passer quand il va se lever de son coucher? Il sera réuni avec la lune. Donc At-Takwir, c'est le sens d'unir, réunir ensemble. Donc le soleil et la lune seront réunis ensemble, obscurcis, pliés, réunis et jetés en enfer. Wadih. Imaginez-vous cette créature énorme qui sera pliée et obscurcie et jeté en enfer. Comment est la taille de l'enfer? Si le soleil et la lune en enfer sont comme deux taureaux obscurcis, c'est quoi la taille de l'enfer? Non. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ. Et quand les étoiles deviendront ternes, seront obscurcies ou bien tomberont. إِن كَدَرَتْ, ça peut venir dans les deux sens. Dans le sens qu'elles sont, elles vont tomber ou bien dans le sens qu'elles seront obscurcies aussi, ces étoiles-là. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. Et quand les montagnes seront mises en marche. Effectivement, les montagnes, Allah tabaraka wa ta'ala en parle souvent dans le jour du jugement dernier. Elles auront plusieurs situations. Elles seront comme des
coton éparpillé, comme des mirages qui marchent. Ces montagnes-là vont passer par toutes ces situations-là le jour du jugement dernier. Imaginez-vous ce jour terrible. Le soleil va être obscurci, plié, les étoiles, de même, les montagnes. Les gens vont dire, oui, mais on sait qu'aussi le jour du jugement dernier, le soleil va être à 1 000 de la tête des gens. Tout ça, c'est plusieurs choses qui se passent le jour du jugement dernier. L'un ne renie pas l'autre. C'est-à-dire, et il va se passer ça, et après, et elle va être obscurcie. Parfois, on peut savoir dans quel ordre, et parfois, l'ordre, on ne le connaît pas, car Allah Ta'ala ne l'a pas cité. Mais tout ce qu'Allah Tabaraka Ta'ala a cité comme événement qui va se passer ce jour-là, ça va se passer. La mahala. On ne peut pas s'échapper de ça, c'est une certitude. Donc, imaginez-vous ce jour terrible. Le soleil obscurci, les étoiles ternes qui vont tomber, les montagnes se mettent en marche comme des mirages. Allahu Akbar. Les montagnes, des milliards et des milliards de tonnes de pierres, elles seront mises en marche. C'est les chamelles qui sont à terme, c'est-à-dire qui sont enceintes, elles vont être négligées. Pourquoi Allah Ta'ala a parlé de cela? Car les chamelles qui sont enceintes, c'est les biens les plus aimés chez les Arabes. C'est ce qui est le plus cher à leurs yeux. C'est-à-dire, ce jour-là, même les chamelles à terme, vous n'en voudrez pas. Vous les négligerez. C'est-à-dire, tous les biens de ce monde, on pourra vous les présenter, vous ne serez pas attirés par ces choses-là. Vous ne les regarderez même pas. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ الْوُحُوشُ c'est les bêtes farouches. Mais ici, Allah Ta'ala, il parle de toutes les bêtes. Quand tous les animaux seront rassemblés. Effectivement, le jour du jugement dernier, même les animaux seront rassemblés. Pour que Allah montre sa justice, la bête qui avait pas de corne, qui avait été écorchée ou blessée par une bête à corne dans ce monde, Allah va lui donner des cornes à cette bête qui avait pas de corne pour mettre un coup de corne à celle qui lui a mis un coup de corne. Et après, Allah Ta'ala leur dira, « Kounou turab, soyez de la poussière. » Et là, tout le monde verra que la justice d'Allah, elle est parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Même dans les bêtes, même entre les bêtes. La justice, elle sera établie. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Et quand les mers seront allumées, les mers, vous avez vu la quantité d'eau qu'il y a dans les mers sur terre ? يَوْمَ الْقِيَامَةِ Elles seront du feu. Imaginez-vous ce feu, comment il y en a. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Et quand toutes les âmes seront accouplées, c'est-à-dire réunies, chacun avec son groupe. Les gens pieux avec les gens pieux. Les gens mauvais avec les gens mauvais. Ça vient dans le même sens où Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا C'est dans le même sens, زُمَرًا, par groupe. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Donc, les gens seront en groupe. Les groupes des pervers ensemble. Aujourd'hui, les gens, chacun s'affilie à quelque chose. À un groupe, à une secte, à une mode. Ah, je ne sais quoi. Affilie-toi, tu seras avec eux, Yawm al-Qiyamah. Alors, choisis bien avec qui tu t'affilies. Si tu t'affilies d'abord aux croyants, aux musulmans, tu seras ressuscité avec les croyants. Puis, entre les croyants, entre les musulmans, tu t'affilies aux gens de la sunna. Et tu t'affilies pas aux gens de la bid'a, tu seras ressuscité avec les gens de la sunna. Ah, mais si tu t'affilies aux kuffars, tu seras ressuscité avec les kuffars. Après, si entre les croyants, tu t'es affilié au groupe innovateur, tu seras ressuscité avec eux dans leur groupe. Choisis ton groupe ici, ce sera le même groupe Yawm al-Qiyamah. Celui que tu as choisi ici, tu le retrouveras le jour du jugement dernier. Chacun avec son groupe. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Et quand la petite fille, la fillette enterrée vivante, demandera pour quel péché elle a été tuée. Allah Ta'ala parle ici d'une habitude chez les Arabes qui était d'enterrer les filles vivantes, de les tuer. Et il le faisait pour deux raisons. Premièrement, par peur de pauvreté. Car la fille, elle grandit, elle ne travaille pas, elle ne ramène pas d'argent, etc. Ce n'est pas comme un homme. Deuxième raison, par peur, par jalousie, par un excès de jalousie, par peur que cette fille, elle les déshonore, qu'elle s'adonne avec un homme et qu'elle les déshonore dans leur nom. Alors, pour éviter ça, il l'a tuée à la naissance. Comme ça, il dit, j'ai pas de souci. Et Allah Ta'ala a réprouvé cela. Il a dit, quand la jeune fille sera questionnée,
qui a été enterrée vivante, la jeune fille qui a été enterrée vivante, la fillette, bi ayyi dhanbin qutilat, à cause de quel péché elle a été tuée. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala ici, il montre qu'elle n'avait pas de péché. Un enfant, quel péché il a? Quel péché il a? Et aujourd'hui, ma'al asaf, il y a encore des traditions de l'jahiliya présentes dans le monde, même dans certaines communautés musulmanes, qui quand ils apprennent qu'ils vont avoir une fille, ils avortent. Et quand ils apprennent que c'est un garçon, ils sont contents. Ça, c'est la même habitude que les kuffars Quraysh. Allah a interdit cela. L'important, c'est cet enfant-là, est-ce qu'il va être pieux? Est-ce qu'il va être bon envers ses parents? Il y a des femmes qui valent des millions d'hommes avec leur piété et leur comportement. Et il y a des hommes qui valent des millions de femmes. Donc auprès d'Allah, dans la récompense de l'au-delà, que ce soit un homme ou une femme, c'est la piété qui compte. Dans le dunya, dans ce bas monde, il y a des règles qui régissent l'homme et la femme et les relations qu'il y a entre eux en islam. Dans certains aspects, l'homme a le dessus, dans d'autres aspects, la femme elle a des avantages. Donc selon l'aspect, les gens ils croient qu'en islam, il n'y a que les hommes qui ont des avantages. Sachez que chaque avantage ou chaque responsabilité, chaque avantage, il y a des responsabilités avec. Donc plus de réponses auxquelles il faut répondre, Yom al-Qiyam. Plus de responsabilités, plus de causes d'être châtié. Toute personne qui a l'autorité, les gens ils courent derrière l'autorité maintenant, ou derrière le pouvoir. Sache que plus tu as de pouvoir et plus tu as d'autorité, plus tu vas rendre de compte. Vous entendez? Aussi, la femme, elle a des avantages que l'homme n'a pas. Allah Ta'ala a rendu obligatoire à chaque étape de sa vie qu'un homme s'occupe d'elle. Quand elle est jeune, son père. Si elle n'a pas de père, son oncle, son grand-père ou son frère. Il doit subvenir à ses besoins, il doit la protéger, il doit tout faire pour son bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'être bon avec les épouses, avec les mères, a encouragé d'être bon avec les filles. Il a encouragé d'être bon avec la femme dans toutes les étapes de sa vie. Il a dit les meilleurs, ce sont les meilleurs avec leurs épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, reste au pied de ta mère car le paradis est là-bas. Et il a devancé la compagnie de la mère 3 fois à la compagnie du père. Et il a dit, celui qu'Allah a éprouvé avec 2 filles, qui est bon envers elles et qui les éduque bien, elles seront un bouclier pour lui contre l'enfer. Donc regardez comment l'islam a protégé cette femme. Qui n'espère pas ça? Il y a des hommes, tout le monde espère que, subhanallah, on travaille pour lui, on le nourrisse, on le loge, on fait tout. Qui n'aime pas ça? Les gens ils cherchent tout ça maintenant. Ça c'est son droit à sa femme. C'est-à-dire c'est pas quelque chose pour lequel elle doit chercher. C'est son droit. Allah il lui a protégé ce droit-là. Oui, il a une autorité dans la maison, etc. Mais derrière aussi, il doit assurer. Et cette autorité-là, comme Allah tabarak wa ta'ala dit, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. En résumé, concernant l'au-delà et concernant la récompense auprès d'Allah et les places au paradis, ce n'est pas le fait d'être un homme ou une femme qui change quelque chose. Concernant ce bas monde, il y a des droits dans lesquels ils se partagent et d'autres droits qui sont spécifiques à l'homme et d'autres droits qui sont spécifiques à la femme. Ça, c'est les règles qu'Allah Ta'ala a mis dans ce dunya, dans ce monde, pour que les choses se passent d'une bonne manière. Et s'il n'y avait pas de différence entre l'homme et la femme, ben Allah, il n'aurait pas créé 2 genres différents. Un homme et une femme. Il aurait créé 1 genre. Il y a des différences physiques, il y a des différences, il y a beaucoup de différences. Mais nous, on ne dit pas comme les koufars, ils disent l'égalité entre l'homme et la femme. Non. Nous, on dit la justice. Parce que c'est pas, on ne peut pas dire que c'est égal dans toute chose. Dans l'islam, il y a des choses où la femme, elle a des droits supérieurs à l'homme. Et il y a des choses où l'homme, il a des droits supérieurs à la femme. Donc si on dit l'égalité, on contredit l'islam. Mais on dit la justice. La justice, c'est ce qu'Allah a décidé. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'oppression. Donc il y a une différence. L'islam appelle à la justice et au droit. Et à ne pas faire d'injustice à qui que ce soit. Mais chez les koufars, pour eux, la justice, c'est obligatoirement l'égalité. C'est eux qui ont dit ça. Allah n'a pas dit que la justice, c'était l'égalité. L'égalité, c'est l'injustice. Chez les koufars, ils ont mis démocratie avec le mot justice. C'est-à-dire, si tu dis que tu refuses la démocratie, dans le sens que tu refuses la justice. Non. Donc ça, c'est des sens qu'ils ont donnés eux-mêmes. Ils ont découvert il n'y a même pas 30 ou 40 ans. Et dans 10 ans, ils vont changer encore de concept. Et dans 30 ans, ils vont changer de concept. Mais nous, alhamdoulilah, la loi d'Allah, elle est immuable. Et elle est valable en tout temps, en toute époque, en tout lieu.
Donc, faites attention, il y a une différence entre la justice et l'égalité. Nous, on dit, l'islam appelle à la justice entre l'homme et la femme, et qu'il n'y ait pas d'injustice et d'oppression. Et l'islam appelle à la justice dans la manière de gérer les peuples, et il interdit l'injustice. Il y a des choses, dans des points sur lesquels la femme a des droits que l'homme n'a pas, il y a des points sur lesquels l'homme a des droits que l'homme, la femme n'a pas. Et ça, c'est Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a créé l'homme et la femme, qui connaît leur nature, qui a donné ces droits-là. Non. Donc, l'islam a préservé cette femme. Il y a 1400 ans, aujourd'hui, il crie les droits de la femme ici. Au début du XXe siècle, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, elles n'avaient pas le droit d'avoir un autre nom que le nom de leur mari quand elles se mariaient. En islam, la femme, elle garde le nom de son père. Elle ne s'est pas mariée, elle a marié, c'est-à-dire elle renie sa famille. Elle n'a plus de famille, elle n'a plus de lignée. Elle garde le nom de son père. Elle ne prend pas le nom du mari. Elle a le droit à ses biens, à elle, propre. Les biens qui sont à elle, c'est à elle. L'homme, il n'a pas le droit d'y toucher comme ça, comme il veut. Il fait n'importe quoi avec. C'est ses propres biens. Ça a 1500 ans dans le désert, ça. Hein. C'est pas maintenant. Donc, c'est pas eux qui vont nous apprendre le droit de la femme. Parce qu'ils ne connaissent rien au droit de la femme. Ils l'utilisent comme un objet. Comme un objet de vente, d'achat, et un objet pour leur désir. C'est tout. Donc, l'islam est venu protéger cette femme, selon les règles de l'islam. Protéger sa vie, protéger son honneur, protéger son intégrité, protéger ses biens, et lui donner des droits et des devoirs et des responsabilités, comme il a donné aux hommes des droits, des devoirs et des responsabilités. Non. Et quand la fille est enterrée, demandera pour quel péché elle a été tuée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la contraception al-wad'ul khafi. Une fois, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé concernant l'azl, quand l'homme se retire. Il a dit, ça c'est la même chose qu'enterrer les filles vivantes d'une manière cachée. Donc il a détesté cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à avoir beaucoup d'enfants. Et il a dit, mariez-vous, ayez beaucoup d'enfants, car je me vanterai de vous devant toutes les communautés le jour du jugement dernier. Et c'est pour ça que l'islam a autorisé le mariage avec 4 épouses. Pour combler tous les problèmes de société, les femmes qui n'arrivent pas à se marier, les divorcés, les âgés, les je ne sais quoi, les hommes qui ont besoin d'avoir plus d'une femme, al-muhim, pour régler tous ces problèmes-là, il a légiféré ça, avec 4 épouses maximum, si il est juste. Et comme vous savez, les peuples qui sont beaucoup, ils ont une supériorité. Et c'est pour ça que les koufars, les ennemis de l'islam, ils ont tout fait pour que les musulmans aient peur de la pauvreté, aient peur de beaucoup de choses et évitent d'avoir beaucoup d'enfants. Pour pas qu'ils ne soient beaucoup sur terre, qu'ils ne dépassent pas les koufars en nombre sur terre. Et un des signes de la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura beaucoup Ar-Roum. Les Roum, ils seront majoritaires sur terre. Les Roum, c'est Bani al-Asfar. C'est, on pourra appeler tous les blancs. Voilà. Et effectivement. Non. Donc, tout ce qui concerne la contraception, etc., il y a une ishara dans cela que ce n'est pas une chose demandée. Bien qu'il y ait des hadiths qui prouvent que ce n'a pas été interdit complètement, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est détestable. Et cela devient interdit si la personne elle le fait par peur de pauvreté. Car Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à cela, « Ne tuez pas vos enfants de peur de pauvreté, c'est nous qui leur donnons leur subsistance et vous aussi. » Donc celui qui le fait par peur de pauvreté, c'est haram. Par peur de subvenir à ses besoins, c'est haram. Par contre, s'il y a une raison valable, médicale ou éducationnelle ou je ne sais quoi, s'il y a une raison valable, ça devient permis si c'est dans les conditions respectées. S'il n'y a pas de raison, ça reste au moins détestable si ce n'est pas haram. Non. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa idha as-suhufu nushirat, wa idha as-sama'u kushitat, wa idha al-jahimu su'irat, wa idha al-jannatu uzlifat, alimat nafsum ma ahdarat. » Et quand les feuilles seront déployées, naam, c'est-à-dire toutes les feuilles, tous les feuillets sur lesquels nos actions sont inscrites, elles seront déployées. C'est là que la personne, où elle prendra son livre de la main droite ou de la main gauche derrière son dos. Et quand le ciel, il sera déchiré et écorché, comme on écorche la peau d'une bête qu'on a égorgée. Le ciel, il sera écorché aussi, comme cela. Et quand l'enfer et la fournaise, elle sera attisée, bien chauffée pour accueillir les mujrimines, les criminels. Et quand le paradis sera rapproché des muttaqin, des gens pieux, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Donc tout cela, Allah Ta'ala a juré par toutes ces créatures-là, l'une après l'autre, pour dire quoi ? Chaque âme, elle saura ce qu'elle a présenté. Ce qu'elle a présenté comme bonne ou mauvaise action. Et c'est ce jour-là, justement, c'est pour ça qu'il s'appelle Yawmuddin, Yawmul Jaza, le jour de la rétribution. Naam. Donc quand on voit, subhanallah, tous ces signes, et imaginez-vous le jour du jugement dernier, quand le soleil sera obscurci, les étoiles deviendront ternes, quand les montagnes seront mises en marche, quand les chamelles à terme seront négligées, quand
les bêtes farouches seront rassemblées, quand les mers seront allumées comme toutes en train de brûler, quand tout le monde sera réuni en groupe, et quand la fille est enterrée vivante, elle demandera pour quel péché elle a été tuée, et quand les feuilles seront déployées, quand le ciel sera écorché, quand la fournaise sera attisée, et le paradis sera rapproché des moutakines, des gens pieux. Imaginez-vous donc l'image de ce jour-là, qui est terrible, et auquel personne d'entre nous n'échappera. Chaque âme verra ce jour-là ce qu'elle a préparé. Pour elle, ce qu'elle a acquis, et contre elle, ce qu'elle a acquis. Non. Le cheikh Atiyya Salim, qui a fini Adwa al-Bayan, il donne un élément essentiel. Quand Allah tabarak wa ta'ala jure par des créatures, souvent il y a un lien, et là il a donné l'exemple concernant cela. Quand le soleil sera obscurci, et que les étoiles deviendront ternes, et que les montagnes seront mises en marche, etc., etc., quand il parle des signes, que le ciel sera écorché, la fournaise sera attisée. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Il dit l'être humain aussi, quand il présente ses actions aussi, elles sont une fois bien, une fois mauvaises. Elles sont la cause qu'ils vont rentrer au paradis ou en enfer. Et donc, ces choses par lesquelles Allah Ta'ala jure, ça montre comment ses actions aussi elles sont. Il y a les moments où il fait les bonnes actions, le moment où la foi elle baisse, la lumière de la foi elle pénètre son cœur, donc il voit bien les choses et il va dans le bon chemin. Et il y a les moments où, etc. Donc tous ces changements de situation qu'on voit là, aussi c'est les changements des actes des êtres humains. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit « Fala uqsimu bil khunnas, al jawari al kunnas, wal layli idha as'as, wal subhi idha tanaffas. » Il y a deux parties. Une partie où Allah Ta'ala jure par toutes ces situations qui se passent le jour du jugement dernier, que l'homme, il va voir de ses yeux et qu'il verra avec certitude et qu'il saura ce qu'il a devancé. Donc, les situations du jour du jugement dernier, elles sont en lien avec ses actes et les situations qu'il a fait dans le dunya. Tous les actes qu'il a fait dans le dunya, il les verra le jour du jugement dernier. Ça va se matérialiser par des situations, des châtiments, des difficultés ou des plaisirs et des délices. Ça, c'est la première partie de la surah. La deuxième partie, Allah Ta'ala recommence à jurer. On va voir qu'il y a un lien aussi. Il dit non, je jure par les planètes qui gravitent et qui se cachent. C'est-à-dire, on les voit, puis on les voit plus. Qui courent et disparaissent. Et quand la nuit, elle vient. As-as en arabe, ça peut vouloir dire il vient ou il part. Mais ici, on dira quand il vient. Quand la nuit vient et quand le jour, l'aube, quand elle exalte son souffle, elle vient aussi, quand elle apparaît. Il jure par toutes ces choses-là pour dire quoi après ? Innahu la qawlu rasulin karim. Ce Coran, c'est la parole d'un messager honorable. Qui est ce messager honorable ? Jibril alayhi salatu wassalam. Allah tabarak wa ta'ala dit Zi quwwatin 'inda dil 'arshi makin muta'in thumma amin. C'est la parole d'un messager noble et honorable, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Quand Allah tabarak wa ta'ala dit « Innahu la qawlu rasulin karim » c'est la parole d'un messager honorable. Le Coran, c'est la parole à qui ? Allah ! Est-ce que là, ici, les gens qui disent que le Coran, c'est pas la parole d'Allah, ils peuvent utiliser ce verset, non ? Les savants ont répondu à cela. Dans le verset même, il y a une réponse à ceux qui disent ça. Car Allah ta'ala dit « C'est la parole d'un messager honorable, noble. » Le messager, est-ce qu'il rapporte sa parole ou la parole de quelqu'un d'autre ? Il transmet la parole d'un autre. Donc lui, c'est un messager. Rasoul. Donc il transmet le message de qui ? D'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc oui, lui, il l'a dit. Mais il n'a fait que répéter ce qu'il a entendu auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, tabarak wa ta'ala aussi, il a dit dans un autre verset où il dit « Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun, innahu la qawlu rasulin karim. » La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pareil. C'est le messager. Donc le Coran, ici, il est dit que c'est la parole de Jibril, du messager Jibril. Puis dans un autre verset, c'est la parole du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'ont fait que répéter la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme dans plusieurs versets, il est venu. Et si un parmi les associateurs te demande la protection, donne-lui la protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc Allah ta'ala a clairement dit que le Coran, c'était sa parole. Il y a d'autres versets, d'autres hadiths clairs et nets sur cela. Naam. Ce messager qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a attribué des caractéristiques et des qualités. Innahu la qawlu rasulin karim. Il est noble. Donc ce n'est pas un messager qui a des bassesses, qui peut tricher, mentir.
ou qui a des objectifs qui ne sont pas nobles. Il est noble. Et c'est le plus noble parmi les anges. Car il a un travail noble. Il transmet la parole du plus noble, subhanahu wa ta'ala, aux hommes les plus nobles qui sont les messagers. Et cette parole, elle est aussi honorée et noble. Il a de la force. Il a retourné le peuple de Sodome et Gomorre à cause du péché qu'il faisait. Comme l'autre. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a peur de quelqu'un. Quelqu'un le menace, il va mentir, il va tricher. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala montre qu'il est fort. Il a de la force auprès de celui qui a l'arche. C'est qui Allah Tabaraka Ta'ala? Makin. Il a une haute place, un haut rang. Car il fait partie des anges rapprochés. Et c'est le chef des anges. Muta'in, il est obéi par les anges. Dans le ciel, il est obéi. Dans le sens où il n'y a personne qui va lui donner des ordres à part Allah. Donc il n'y a pas quelqu'un qui lui ordonne de mentir ou de tricher ou d'enlever une parole ou de le rajouter. Donc Allah Ta'ala lui a donné une obéissance dans le ciel. Thamma Amin. Digne de confiance. Donc regardez toutes les qualités de Jibril. Il a donné toutes les qualités que ce n'est pas possible que ce message y soit altéré. Auprès du possesseur de l'arche. L'arche, c'est la créature qui est au-dessus de toutes les créatures. Et Allah, il est au-dessus du arche, subhanahu wa ta'ala. Au-dessus du trône. Naam. Ici, comme vous voyez, les quatre choses par lesquelles Allah ta'ala a juré avant de parler de Jibril, ce sont des choses qui font partie de l'alam al-ulwi, du monde céleste. Wadih ? Pourquoi ? Car il parle d'un messager céleste. Jibril alayhi salam, il est auprès d'Allah. C'est un messager céleste. Et les signes qui sont cités, c'est que des signes célestes. Les planètes, les étoiles, la nuit, le jour. Alors que quand Allah Ta'ala parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre surah, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par toutes les choses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur terre. Il n'est pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, c'est toujours cette liaison. La chose par laquelle on jure et la chose pour laquelle on jure. Il y a toujours une liaison entre elles. Et les ulama, comme Cheikh Mohamed Al-Amin Shinqiti, Cheikh Atiyya Salim, après qui a fini son tafsir, ils ont donné une importance à cela. Ils ont montré, Allah ta'ala n'a pas choisi de jurer par certaines choses pour rien. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a rien par hasard dans le Coran. Non. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma sahibukum bimajnoun. Et votre compagnon n'est pas fou. Pourquoi il n'a pas dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi il a dit sahibukum, votre compagnon? Car ils lui ont tenu compagnie 40 ans. C'est-à-dire c'est une preuve contre eux. Vous le connaissez. Vous l'appeliez Al-Amin. C'est vous-même qui l'appeliez comme ça. Donc vous savez très bien que c'est quelqu'un de digne de confiance. C'est quelqu'un qui a toute sa raison. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Il l'a effectivement vu au clair à l'horizon. Il parle de qui là? Jibril alayhi salatu wasalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu sur sa vraie forme deux fois. Une fois en sortant de la grotte de Hira. Et une fois quand il a fait le voyage nocturne puis l'ascension. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous sa vraie forme. Et il a dit qu'il avait 600 ailes et qu'il couvrait l'horizon. Il dit, je regarde à gauche, à droite, partout, il couvrait tout l'horizon. Alayhi salatu wassalam. Ceux qui voudraient lui faire croire que c'est un djinn qui vient le voir ou un shaitan, non, il l'a vu sous sa vraie forme, puis il est venu le voir les autres fois sous d'autres formes. Wama huwa ala al-ghaybi bidanin. Et il ne garde pas avarement pour lui ce qui lui a été révélé. Danin, ça peut venir dans le sens muttaham ou dans le sens vanin, ay shuh. Il y a une qira'a où banin, ça vient avec un va, pas un bad, vanin, dans le sens shuh, l'avarice. Donc ça vient dans le deux sens. Il ne rajoute pas, il diminue rien sur la révélation. Le deuxième sens, il n'est pas avare. C'est-à-dire, il n'a pas gardé une partie. Il donne tout ce qu'Allah Ta'ala lui a révélé, il le transmet. Alayhi salatu wassalam, il n'est pas sorti de ce dunya sans avoir transmis de la meilleure des manières. Et il a pris à témoin Allah subhanahu wa ta'ala en premier, puis tous les compagnons. Au pèlerinage d'adieu. Est-ce que j'ai transmis? Est-ce que j'ai transmis? Il dit, ya Allah, témoigne. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas quitté ce monde sans nous laisser sur une voie bien claire dont on peut reconnaître son égarement de son bien comme on peut reconnaître la nuit et le jour. Non. Ce Coran n'est pas la parole d'un Satan ou d'un diable banni, comme il y a les sorciers ou les devins. Qui eux ont des révélations, mais c'est des révélations de shaitan. Aussi Allah tabaraka wa ta'ala a protégé le ciel, que les shayatines ils ne peuvent pas aller voler la révélation, ou les messages, ou les paroles qu'il y a dans le ciel.
Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, donc le ciel, c'est pour lapider les shayatins. Ils ne peuvent pas s'approcher. Ceux qui veulent essayer de voler une parole, il est suivi par une boule de feu directement, il est attaqué. Donc le ciel est protégé, ils ne peuvent pas voler des nouvelles du ciel. Donc ils ne peuvent pas voler la révélation aussi. D'ailleurs, les djinns ne connaissent rien de l'invisible. Parfois, ils arrivent à voler une information, il y a une boule de feu qui les suit, et ils la mélangent, une vérité sans mensonge. Donc ça, c'est le cas des kuhan, devins. Et ce n'est pas le cas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est sadiq, l'amin, le véridique et le digne d'être cru, le digne de confiance, alayhi salatu wassalam. Donc Allah Ta'ala a voulu appuyer cela. Fa'ayna tadhhabu? Où allez-vous? Comment vous pouvez le traiter de menteur? Comment vous pouvez dire que c'est un fou? Comment vous pouvez dire que c'est un sorcier? Vous le connaissez, vous savez, il a grandi chez vous. Il est de confiance, c'est quelqu'un qui a des bons mœurs. Il n'a jamais menti, il n'a jamais triché. Vous le connaissez. Vous voyez ses caractéristiques, vous voyez ses qualités. Vous voyez ses miracles, vous voyez ce Coran qu'il ne vient pas de lui. Il est ummi, il ne savait ni lire ni écrire, alayhi salatu wassalam. Comment? Fa'ayna tadhhabun? Où vous allez? Comment vous vous égarez? In huwa illa dhikrun lil alamin. Ce Coran n'est qu'un rappel pour l'univers. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Donc tout ce pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, c'est-à-dire les hommes et les djinns, ce Coran est venu comme un rappel pour les hommes et les djinns. Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah tabarak wa ta'ala ici informe que l'être humain, il a une mashi'a. L'être humain, il a une volonté. Car il lui dit, l'iman sha'a minkum yastaqim, que celui d'entre vous qui le veut, qu'il prenne le droit chemin. C'est quoi l'istiqama? C'est ce que Allah Ta'ala décrit dans sourate al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est ce qu'on demande tous les jours à Allah tabarak wa ta'ala. Dites-nous dans le droit chemin. Il n'est pas tortueux. Ni trop à droite, ni trop à gauche. Ni trop dur, ni trop souple. Et c'est ça l'islam du juste milieu. Le juste milieu, c'est ce avec quoi l'islam est venu. C'est pas ce que chacun mesure de lui-même. Il se fait son juste milieu à lui. Ah, moi, je suis au juste milieu. Qu'est-ce que tu en sais que tu es au juste milieu? Le juste milieu, c'est ce qu'Allah Ta'ala a décidé. C'est ça le juste milieu. C'est pour ça qu'on dit le juste milieu, pas le milieu. Car il y en a beaucoup de gens qui sont au milieu, mais ils sont pas au juste milieu. Ils prétendent être au juste milieu, mais ils sont au milieu de nulle part. Ils se sont fait un milieu eux-mêmes, qui est un égarement. Et ils font la da'wa, soi-disant, du juste milieu. Mais dans le mot juste milieu, il y a le mot juste, droit. Donc la justice et le droit et la vérité, on le reconnaît qu'avec la révélation. On ne peut pas la reconnaître avec tes passions, mes passions, avec ton expérience, mon expérience, notre raison, nos envies, nos tendances. Non, on met tout ça de côté. Et on reconnaît le juste milieu à la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la volonté de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est une révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec la compréhension de ceux qui ont vécu cette révélation, ceux qui nous l'ont transmise, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux comprendre la révélation que ceux qui l'ont vécu. Est-ce qu'il y a des gens, après, ils viennent, ils ne savent rien de tout ça, ils disent, oh, moi, je comprends mieux le Coran, que ceux qui ont vécu la révélation, que ceux qu'Allah a choisi pour être en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible. Donc aussi, ce verset-là, il vient parler de la destinée. Allah a voulu que l'être humain ait une volonté. S'il avait voulu, l'être humain n'aurait pas de volonté. Mais par sa sagesse, Allah a voulu que l'être humain ait une volonté. Et c'est pour ça d'ailleurs que des messagers lui sont envoyés. Et que la personne qui n'a pas de raison, il est excusé des devoirs religieux. Et que l'enfant qui ne comprend pas, il est excusé des devoirs religieux. Et que le fou, il est excusé des devoirs religieux. Et que la personne qui dort, il est excusé des devoirs religieux. Et la personne qui a perdu la conscience, il est excusé des... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sa volonté, elle ne rentre pas en jeu. Il ne peut pas avoir le libre arbitre quand il est dans ces états-là. La plume, elle est levée contre lui. Donc, Allah a voulu que l'être humain ait une volonté. Mais cette volonté, elle ne reste que là, sous la volonté d'Allah. Si Allah avait voulu, tu n'aurais pas de volonté. Si Allah avait voulu, tu ne pourrais rien faire. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah toujours le tawfiq, la permission. Et on lui dit chaque jour, au moins 17 fois, « Ihdina as-sirata al-mustaqim. » Guide-nous sur le chemin droit. Car si Allah ne nous permet pas, on ne peut pas de nous-mêmes, de notre force, de notre intelligence, être guidé sur le chemin droit. Ça, c'est une permission d'Allah. Qui a créé ton corps? Allah. Qui a créé ton âme? Allah. Qui t'a créé même la volonté que tu as? Allah.
Donc comment l'être humain après il peut dire j'ai été guidé par ma force? Tout ce que tu détiens, c'est la création d'Allah. Même la volonté que tu as, c'est Allah qui te l'a créé. Il a voulu par sa sagesse que tu aies cette volonté. Donc au bout du compte, pourquoi tu dis c'est moi? Dis Alhamdulillah, bitawfiq min Allah. Si Allah avait voulu, je serais tombé malade. Il m'aurait enlevé cette idée du cœur. Il m'aurait détourné de cela avec une autre idée. Il ne m'aurait pas protégé des wasawis de Shaitan. J'aurais suivi Shaitan, etc., etc. C'est pour ça, toute œuvre de bien que tu dis, que tu fais, et toute guidée, tu dis par la grâce d'Allah seul. Mais certains vont dire, donc, si tout est écrit, mes péchés aussi, je dis, c'est Allah. Non, Allah ne t'a pas obligé de faire le péché. Il ne te l'a pas imposé. Tu vas dire, oui, mais c'est écrit. Mais avant que tu le fasses, tu savais que c'était écrit? Non. Donc avant que tu le fasses, tu avais le choix. C'est qu'après que tu l'aies fait, que tu savais que c'était écrit. Une fois que tu l'as accompli. Donc avant que tu le fasses, c'était responsable de savoir quel choix tu vas faire. Tu ne savais pas ce qui était écrit. Et ça, les Koufar Quraysh aussi, ils ont dit ça. Si Allah avait voulu, on n'aurait pas donné d'associé à Allah. Ils ont voulu polémiquer avec Allah et prendre comme argument le qadar, la destinée pour leur shirk. Mais Allah a répondu à cela. Allah a répondu que s'il voulait, tout le monde serait croyant. Mais Allah a voulu par sa sagesse que tout le monde soit éprouvé. C'est ça, dunya. Ce bas monde, il est fait pour être éprouvé. Donc on a dit au juste milieu aussi dans la croyance, entre les mu'tazila, al-qadariya, ceux qui renient la destinée. Ils disent que le mal, c'est l'homme qui le crée. Donc ils disent que dans cette terre, il y a plus qu'un créateur. Ils sont pires que les majus. Les majus, c'est les adorateurs du feu, les zoroastriens. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a deux créateurs, l'obscurité et la lumière. Mais les Mu'tazila, ils disent qu'il y a des milliards de créateurs. Ils sont pires que les Majus. Ils disent chaque être humain, il crée ses actes. Alors que Allah Ta'ala a dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah vous a créé ce que vous faites comme acte. Donc ça, c'est un opposé qui renie la destinée. Et l'autre opposé, c'est le Jabriya. Et souvent, l'Asha'ira et les Soufiya, ils ont des Aqaïd Jabriya dans la destinée. C'est quoi le Jabriya? Ils disent nous, dans la destinée, on n'est que comme une feuille dans le vent. On décide de rien. Donc ces gens-là ne se remettent jamais en question. J'ai fait un péché, il dit « Alhamdulillah ». Il fait une bonne chose, « Alhamdulillah », il fait un péché, « Alhamdulillah ». Donc il n'y a pas de tauba chez lui, il dit « Alhamdulillah ». Il dit « Je suis que comme une feuille dans le vent ». C'est pour ça que tu trouves les soufis, hein, ils n'ont pas d'importance pour les péchés. Ils font tous les péchés du monde. C'est comme les chrétiens, les soufis. Hein. Ils se ressemblent, ils sont très proches. Dieu n'est qu'amour, voilà. D'ailleurs, tu trouveras toutes les sectes soufis, hein, ils sont proches des chrétiens. Ils font des fêtes avec eux, ils font des mukafirat, ils font tout ce qu'ils veulent, mais allez, pour eux, c'est rien. D'ailleurs, souvent, le Jabriya, ils ont aussi l'Irja. Le Soufiya, ils réunissent entre le Jabr dans le Qadar et l'Irja dans l'Iman. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa qur rabbi zidni ilma.